Le carré de l'Est, alors c'est typique des fromages oubliés, qui n'existaient plus depuis des dizaines d'années et que nous avons réhabilité. Autrefois, les fermières de Lorraine n'étaient pas beaucoup argentées, n'avaient pas beaucoup d'argent, il fallait qu'elles fassent vivre leur famille, il fallait qu'elles donnent à manger à leurs enfants. Et donc elles prenaient les restes de cuves de lait, fabriquaient un fromage qui n'avait pas trop de forme, pas une saveur particulière, c'était des bons fromages, mais sans appellation. Et ces fromages, elles avaient toujours tendance à les recouvrir d'ailleurs de fruits et ce qu'on appelait de schnapps, l'alcool, pour donner de la vitalité à leurs enfants. Au niveau de ce carré de l'Est, toute la performance est pour retrouver la fabrication, on n'avait pas du tout d'écrit. Donc ça a été de longues recherches, ça a duré plusieurs années. C'est une pâte semi-lavée, un petit peu comme le Pont-l'Évêque à l'origine. Là, vous avez des arômes, pas d'arômes de fruits, mais plutôt des arômes paillés. Une texture de pâte fondante. C'est un fromage qui s'affine de l'intérieur. C'est un fromage tout en délicatesse. C'est empreinte de délicatesse. C'est magnifique.